Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors ce matin, la FDSEA et les jeunes agriculteurs font une action à la préfecture. Vous l'avez bloquée. Pour quelle raison ? Ben voilà, l'État, avec les contraintes et les normes qui sont mises sur nos exploitations, nous ralentissent dans notre travail. Donc aujourd'hui, nous voulons ralentir le travail de l'État. C'est pour ça que nous avons bloqué la cité administrative. Bon, alors, les deux présidents des syndicats sont actuellement en négociation avec le préfet. Ils attendent quoi du préfet ? Eh bien, on attend des contraintes moins importantes, notamment aujourd'hui avec les déclarations PAC, il y a beaucoup d'incertitudes, même trop d'incertitudes. On a pris beaucoup de retard, des dossiers ne sont pas traités en temps, donc les agriculteurs attendent des versements qu'ils n'ont toujours pas touchés. Bon, vous croyez que ce genre d'action est encore valable ? Oui, et c'est encore valable, on voit la population qui nous soutient. C'est une opération qui se déroule dans la bonne humeur et pour l'instant les gens apprécient de ne pas avoir bloqué les routes, de ne pas avoir bloqué. On passera peut-être à une étape supérieure si on n'obtient rien aujourd'hui. Vous êtes à peu près combien ce matin ? Bon, à peu près entre 200 et 250 agriculteurs à Chartres. Merci, on vous souhaite bonne chance. Je vous remercie. À base de désir, ça veut dire non, mais il est mal à l'eau. Le joueur dans les. Ouais, mais ça toujours respecté. On s'en vient rapporter, hein.